T'as faim? J'ai du mal. Bébé, je sais que t'as faim. Il y a des gens qui ont aimé que je vlogue. Et j'avoue, oh mais c'est pas vrai, ça recommence. S'il te plaît, je sais que t'aimes bien l'objectif. Tu devrais être youtubeur. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien que je vlogue et bizarrement en fait, moi aussi. Je pensais pas que j'allais kiffer. Mais en fait, ça me fait grave du bien de filmer juste la vie simple. Parce que je commençais à saturer un petit peu de mes sujets toujours hyper. Ouais, la plupart du temps, des sujets trop lourds, quoi. Tu sais, je parle de trucs qui me sont arrivés, de trucs qui arrivent dans la société, de problèmes, de machin. Et je trouve que c'est important et je vais continuer de le faire. C'est juste que j'ai remarqué, ça me prend une énergie, mais juste monumentale. Du coup, tout ça pour dire qu'en fait, j'aime bien faire des vidéos juste pour moi, juste pour le plaisir, qui veulent rien dire. Enfin, qui veulent dire beaucoup pour moi, parce qu'en fait, c'est des souvenirs d'amour avec mon chat. Alors, j'ai ma to-do list qui est déjà faite depuis 3 jours. J'ai juste rajouté des choses à faire depuis. Parce que j'ai procrastiné. Hier et avant-hier, c'était vraiment des journées de rien. Il y a des jours comme ça où je sais pas, je comprends pas, c'est trop bizarre. Tu sais, quand tu vas mal dans ta vie. Oh, mais il a bu. Tu sais, quand ça va pas. Tu sais, j'ai des journées où je me sens vraiment mieux. Je sens vraiment que mon traitement commence à m'aider à être un peu plus. Dans l'action, j'arrive à faire des choses qui me plaisent, qui me font du bien. Enfin, c'est vraiment une béquille quoi, qui m'aide. Et des fois, comme ça, de façon complètement aléatoire, tu sais pas pourquoi, il y a des journées où le seul truc que t'es capable de faire, c'est de rester sous la couette. Et genre, aller pisser dans tes chiottes, ça a l'air d'être trop compliqué. T'as limite envie de te pisser dessus parce que. Parce que t'as même pas ce fort de faire 3 mètres depuis ton lit pour aller à la cuvette. Et des fois j'ai des jours comme ça, des jours de rien. Et en fait c'est des jours de repos. Je crois que j'ai besoin de me reposer des fois. Et le problème quand t'es malade c'est que du coup tu culpabilises quand tu dois te reposer parce que t'as déjà l'impression que tu fais rien. Et comme... Comme globalement, on te fait savoir que pour une vie réussie, il faut être productif, productive, faut faire des choses et tout. Ben, quand tu fais pas, quand tu fais rien, qui est en fait du repos, et ben, genre, tu te sens un peu comme une merde en te disant, ouais, putain, j'ai rien fait, j'ai rien produit, j'ai rien apporté au monde, j'ai pas travaillé, j'ai pas. Et ça me fait penser qu'il y a une vidéo de la chaîne Vivre avec. D'ailleurs, Mathieu, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Merci pour ta chaîne. Qui parle de ça. Qui parle du repos. Et du fait que se reposer, c'est pas ne rien faire. C'est juste que j'ai du mal à accepter que la dépression, c'est long. Ça s'installe de façon assez vicieuse pendant un certain temps. Donc tu t'en rends pas toujours compte. Des fois, quand tu t'en rends compte, ben. Il s'est passé beaucoup trop de temps et du coup en fait tu te rends compte que t'es malade depuis plus longtemps que ce que tu croyais. Et après pour guérir bah, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Et je crois que j'ai juste du mal à avoir la patience. Mais je l'ai hein, de plus en plus évidemment. Mais du coup les jours où je vais bien et que je fais des trucs et je me sens vraiment heureuse, ben j'ai l'impression que c'est bon, c'est gagné. Et en fait non. C'est long. Et je sais que c'est la dépression parce que j'arrive à reconnaître un jour normal dans ma vie sans dépression dans lequel j'ai voilà, j'ai besoin de me reposer, j'ai un peu la flemme.
c'est un jour off et un jour où je suis au fond du trou. C'est pas la même chose. Genre là, les deux jours dont je t'ai parlé où vraiment c'était des jours de rien. C'est le genre de journée où justement les pensées ruminantes et tout, elles reviennent. Voilà, t'as envie de pleurer, tu repenses à des trucs hyper négatifs et tout. Enfin bref, et du coup tu passes une grande partie de la journée à être mal, quoi. Et c'est pas juste, enfin c'est pas la même chose du coup. Je sais que c'est des jours où juste la dépression, elle m'en a plein la gueule. Bonjour fils. Tu es mon fils? Oui, tu es mon fils. Alors lui, il attend qu'une chose, c'est d'être nourri. Du coup, j'ai la même to-do list depuis 4 jours, je crois. Parce que du coup, ça fait 4 jours que je fais rien dessus. Et j'ajoute. Hier, j'ai fait ma déclaration d'impôt et je vous jure, Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chiant ce truc. Bibi, s'il te plaît. En fait, il te fait des bisous à toi aussi dès le matin. Bah, je vais te raconter ma journée d'hier en faisant à manger. En faisant mon petit déj. Ah non, mais d'abord, je pissais. Alors, d'habitude, je montre jamais ce que je mange. Parce que ce que je mange, je veux pas le mettre en avant. Je mange pas bien. Et quand on dit je mange pas bien, on est d'accord, c'est relatif, ok? Genre chacun sa définition du bien, du pas bien, du manger. Mais moi je trouve que je mange pas bien pour deux raisons. Déjà de un, et je t'en parlais dans une précédente, dans plusieurs de mes précédentes vidéos, celle sur les TCA, celle sur le fait que j'ai été végétarienne pendant 5 mois. J'ai une éducation alimentaire désastreuse et pendant des années, depuis ma plus tendre enfance, j'ai mangé vraiment avec un panel d'aliments très restreint et très mauvais nutritivement parlant. Très industriel, très carné, très issu de l'exploitation animale et tout. J'en veux pas à mes parents, hein, c'est la vie, c'est comme ça, eux ils mangent comme ça, on s'en fout. Et le problème c'est que du coup c'est très ancré en moi, des habitudes alimentaires qui sont pas en accord avec intellectuellement comment j'aimerais manger. Au-delà de ça aussi, je suis pas antispéciste et je sais qu'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui le sont. J'ai pas de bonnes excuses en vrai, hein. Genre je vais pas dire pourquoi j'ai des bonnes raisons de ne pas l'être, genre non, je trouve ça nul. Disons que de manière générale, oui, mon comportement de consommatrice a quand même évolué grâce aux gens qui parlaient justement de véganisme et d'antispécisme et que je regarde. Et grâce aussi, parce que j'ai regardé des documentaires, j'ai regardé Les Terriens, j'ai regardé What the Health, j'ai regardé enfin plusieurs trucs. Mais style que je sais pas, il y a le déclic ne se fait pas et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Que j'ai pas trop envie d'étaler ici parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas envie de commencer à essayer de me justifier de pourquoi, du comment, genre je vais pas faire genre il y a des bonnes raisons ou quoi, mais tout ça pour dire que je montre pas ce que je mange parce que du coup je mange des produits d'origine animale. Avec la dépression aussi j'ai eu une sorte de backlash horrible alimentaire, genre j'avais grave fait des progrès pendant toute l'année passée, depuis que j'habite ici, que j'ai déménagé. Avec mon copain, on a trouvé des moyens de faire vraiment des trucs sympas et tout pour manger sainement. En tout cas, plus sainement que ce qu'on mangeait avant, juste pour notre bien, quoi. Je vais me faire du café. Là, c'est parti en couille totalement. Genre vraiment, j'ai repris des habitudes que j'avais plus. Et c'est du pur confort émotionnel en vrai. Je remange des aliments que j'avais pas mangé depuis genre 5 piges par conviction, et là je les remange juste parce que c'est facile, que ça me fait émotionnellement énormément de bien et que ça se mange comme ça, quoi.
genre bref. Et par je ne sais quelle pirouette de ma vie, je me suis mise à boire du café. Alors pas du tout du café noir sans sucre, hein. Genre j'en suis pas là dans ma vie et je pense pas que ça un jour je pourrais aimer. Mais en fait je suis devenue une fanatique des cappuccinos. Et notamment des cappuccinos maison. Et du coup je me fais maintenant tous les matins, parce que j'ai le temps, hein, parce que sinon je le ferais pas. Je me fais des cappuccinos maison. Après j'ai pas de machine à cappuccino, tu vois, j'ai pas de truc pour faire la mousse et tout. Genre je fais un micmac, je fais un truc un peu approximatif, tu vois. Genre je réchauffe un peu de lait dans une petite poêle et après je prends un mini batteur électrique et je bats comme ça et je mets dans le capuch et je recommence. Je sais qu'il y a des machines qui existent pour ça, mais j'ai pas envie de m'acheter une machine à café, genre non. Voilà, du coup je me suis mise au café. Je sais pas si c'est très bien, mais je me fais des gros capuchs. Et ça me rend heureuse, ça me fait du bien. Et je comprends le pouvoir réveilleur du café. Je m'en rends compte. Par contre, je sais qu'il faut faire gaffe parce que genre c'est, tu peux vite commencer à être archi dépendant du café matinal. Et moi, j'ai pas envie de me dire que si j'ai pas de café le matin, j'arrive pas à me lever. Mais bon, après voilà, si ça arrive, ça arrive. Hein. Ce serait ballot, mais voilà. Si tu te posais la question de qu'est-ce que c'est que ça, c'est juste que ça fait un an littéralement. Depuis que j'ai emménagé ici, que je fais des trous dans un mur de soutien pour poser une étagère. Sauf que pour faire ces trous, qui sont au nombre de 6, il faut une force et une patience considérables, puisque c'est un mur de soutien. Donc là, j'ai déjà fixé les deux premières, charnières. Non, c'est pas du tout une charnière. Comment ça s'appelle ça? Bref, je ne sais pas. Et il ne reste plus que les deux autres trous pour cette partie. Et une fois que cette partie-là sera accrochée, il suffira de mettre l'étagère là-dessus et de fixer avec des petits clous l'étagère. Et le problème, c'est que ça fait un bruit monstrueux, c'est interminable. Mes voisins finiront par me haïr de faire autant de bruit quand je fais des trous. Et du coup, je fais genre un demi-trou tous les 6 mois. Du coup, pendant que le café se prépare, on va voir qu'est-ce qu'il y a sur la to-do list. Ah oui, du coup, je voulais te raconter, en fait, hier, j'ai fait mes impôts. Et je suis... en colère, je suis fâchée. Tu sais pourquoi? Parce que je me rends compte que si tu fais pas des études en école de com ou en finance, gestion, ce genre de truc, tout ce qui concerne les assurances, les impôts, les trucs des machins, tout ce qui a à voir avec l'argent et la vie d'adulte, tu n'y connais rien. Moi, j'ai fait le cycle. J'ai été au collège option art et je suis partie à l'université. Je ne sais pas remplir ma déclaration d'impôt. Je ne sais pas quels sont mes droits par rapport à ce que je peux ou non déclarer. Je ne sais pas comment fonctionnent exactement les assurances maladie. Je ne sais rien en fait. Et j'ai dû tout apprendre cette année depuis que j'habite sans ma mère. Comment ça marchait tout ça? Et franchement, je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas des cours sur comment comprendre ces trucs. Parce que, en fait, si tu vas pas demander à un service d'aide, à l'hospice, à des conseillers de ta fac ou à des gens qui s'y connaissent, franchement, tu sais pas quand tu reçois une fiche de salaire si t'es bien payé, tu sais pas si ton contrat c'est un contrat qui est bien fait ou si en fait il y a des magouilles dedans. Je suis sûre, je suis convaincue que je suis loin d'être la seule jeune adulte de cette année 24 ans qui a du mal avec tous ces trucs administratifs, tu vois. Des fois je reçois des factures du propriétaire de cet appart, je comprends pas pourquoi elles sont là, parce que les charges sont comprises dans mon loyer et puis là on m'envoie une facture avec des charges en plus, alors que c'est les mêmes, eau chaude, électricité, tout ça. Puis t'es là, mais quoi, je comprends pas, tu relis ton bail. Pourquoi on nous enseigne pas plutôt comment ça marche en fait? Dieu merci, ma sœur qui travaille dans le domaine, hier m'a aidée par Skype pour faire ma déclaration d'impôt en ligne.
Mais quelle galère! Alors en soi, pour elle, c'est hyper simple et tout, elle arrêtait pas de me dire « Mais oui, regarde, tu vois, c'est facile, c'est facile !» Mais moi, mais quelle angoisse avec tous ces papiers! Je commençais à devoir réfléchir « Mais j'ai gagné quoi l'année passée? Mais où ?» Mais du coup, j'ai pu cocher la petite case « Faire les impôts » sur ma to-do list et ça a été très satisfaisant. Parle d'une expérience négative qu'elle a vécue. Parlez, il n'y a pas très longtemps, tu vivais avec moi dans ce quartier-là. Pas de shadowban, c'est faux. Et ce n'est pas notre politique, nous n'allons pas vers une monétisation de l'audience. Ça fait plusieurs années que ces déclarations ont été faites. On enregistre en fait les hashtags que vous aimez. Vous avez aussi la page recherche qui donne pareil plein de suggestions. Et ben en fait, moi, quels que soient les hashtags que je mets sous mes posts, en fait, ça n'apparaît pas. Mes posts n'apparaissent pas quand vous regardez la catégorie. En fait, j'ai un problème avec ma déclaration d'impôt, j'arrive pas à l'imprimer. Du coup, là, j'appelle pour voir si on peut m'éclairer sur la situation, sauf que c'est déjà le deuxième numéro que j'appelle. Et je n'ai toujours pas ma réponse. Je n'ai pas ma réponse. Non, je n'ai pas ma réponse. Yeah. Yeah. Est-ce que ça enregistre ma voix, là? Parce que tu sais, au début, le mec, il dit... Oui, pour des raisons de sécurité et de professionnalisme, cet appel risque d'être enregistré. Blablabla. Bon, du coup, en attendant, je vais sur le site pour voir si je peux trouver ma réponse, mais... Voilà, non. Non. Voilà. Je trouve pas. Je désire faire une simulation d'impôt. Téléversement impossible de cliquer sur la case d'attestation d'envoi des justificatifs. Activez la clochette. Oh, yeah, 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 yeah. Port technique et démarrage, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec ma déclaration d'impôt. Je vais passer l'aspi, il aime pas quand je passe l'aspi. Pourtant, ça arrive presque tous les jours, bébé. Tant de douceur dans cet appartement. Là, quand je vais allumer l'aspirateur, il va péter un câble. Ah ! Bébé. Oui. Oui, bébé. Bon, du coup, il est 15h30 et j'ai pas encore réécouté les cours là, que j'ai en retard en ligne. J'ai du mal à me mettre au boulot pour l'université depuis chez moi. Alors, travailler pour YouTube, y a pas de souci, c'est chez moi, c'est mon lieu de travail pour YouTube, donc c'est très bien. Mais habituellement, j'aime bien aller à la bibliothèque de l'université, ou aller dans un café, ou je sais pas, moi, juste ne pas être chez moi pour bosser pour les cours. Et là, devoir bosser depuis chez moi... ça me demande une motivation surhumaine. Bébé. Ah ouais, j'ai joué à Animal Crossing. Parce que ce jeu, c'est ma vie. Oui, oui. On a fait une bonne sieste. Est-ce que si je te paye, tu me fais à bouffer? Parce que là, maman a faim, mais maman n'a pas la force. S'il te plaît. Je sais que t'es très talentueux, je sais que t'es doué, tu possèdes
un art ancestral félin en toi, culinaire. C'est juste que t'es timide. Je le sais. Je sais que ça peut paraître surprenant parce que je crois que je me suis changée deux fois aujourd'hui. Avant, j'ai mis une petite combi estivale et tout parce que j'ai envie de me donner l'illusion que je profite du soleil qui est dehors. Lol. Non, je n'ai pas de balcon ni de terrasse, du coup, bah voilà, on fait comme on peut, hein. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, pour se motiver à bosser et tout, faut faire comme si on était à l'extérieur et donc on s'habille, on se coiffe et tout. » Ça n'a pas marché. Du coup, je me suis remis en tenue de rien, en tenue de pyjama et voilà. On va s'y mettre. Je sais pas où on s'était vraiment arrêté en vrai. J'ai décidé que j'allais me stretcher. J'arrive à bien m'y tenir, je suis très contente. Si t'as vu mon bullet journal dans mon dernier vlog, t'as vu que c'est un des trucs avec la lecture que j'arrive à faire assez quotidiennement. C'est cool. Là du coup, je vais commencer ce livre que je t'ai présenté dans mon book haul. Et j'ai hâte de t'en parler, je pense que je vais kiffer. Et nous avons monsieur, évidemment, comme d'habitude. Là, c'est l'heure de manger, donc encore plus intrusif, hein. N'est-ce pas, mon cœur? Ou c'est moi qui intruse ta vie? C'est plutôt ça, hein, c'est moi qui intruse ta vie. Oui, oui, oui. Bon, du coup, on va se stretcher devant un épisode de quelque chose, je sais pas, on verra. On verra quoi. Ce tapis a été défoncé. Faudrait peut-être que je songe à l'acquisition d'un autre. Ah, et puis je t'ai pas montré. Si tu me suis sur Instagram, t'as probablement vu la photo inspirée, enfin qui a inspiré ce portrait, plutôt cet autoportrait. Du coup, je te montrerai le résultat à la fin. En fait, je suis en train de faire des petits tableaux comme ça. Ça, c'est l'autre que j'ai fait. T'as vu, elle a les cheveux qui brillent. J'aime trop. Du coup voilà, je suis en train de faire des petits... je sais pas si on peut dire que c'est des tableaux, c'est du carton entoilé. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai envie d'en faire plusieurs, mais j'ai vraiment du mal à m'y mettre. J'y vais vraiment petite étape par petite étape. Mais j'aime trop ce format, j'aime trop la légèreté en fait de ce format. Et puis ce qu'on peut y faire. Du coup voilà, je te ferai peut-être des vlogs de peinture. Personne ne peut échapper à ces monstres. Les trolls sur Internet sont de vrais prédateurs de notre société. En tant que parents, nous avons des difficultés à croire que nos enfants doivent guetter le moindre signe de troll. Non, faut pas ça. On fera en sorte qu'il ait peu du tout envie de continuer. Vous avez entendu les mecs? T'as pas intérêt à ce que ça commence ce soir. Il existe un théorème avec ce chat qui dit que lorsqu'une boîte trop petite pour lui se pose au sol, il y rentre systématiquement. Donc tu le fais tout le temps et quand on te filme, tu t'en fous. T'as déjà eu tonton? C'est une réussite! That's the cutest thing ever! Regardez comme il est chaud dans la petite boîte! C'est une première. J'espère que ça va pas être insupportable à entendre, mais je vais faire la vaisselle sur YouTube. Voilà, c'est une première. Je sais, même moi j'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'un jour je le ferais, mais oui! C'est arrivé. Ça m'intéresse de savoir s'il y a une chanson qui te donne particulièrement la pêche. Si tu devais en choisir qu'une et une seule, quel que soit le style, ce serait laquelle? Dis-le-moi dans les commentaires parce que j'ai bien envie de faire des playlists justement good mood, un peu pour me mettre de bonne humeur et tout. J'ai remarqué que la musique ça me manque beaucoup dans ma vie, que ce soit pour écouter de la musique ou pour la chanter. Je sais pas pourquoi j'ai autant de mal à juste reprendre du temps pour apprécier cet art. Et du coup j'ai envie gentiment de redécouvrir de nouvelles choses et particulièrement des choses qui mettent de bonne humeur. Donc voilà, let me know, ça m'intéresse.
Moi personnellement, je sais qu'il y a une chanson qui marche à tous les coups, c'est Dance de Justice. Genre tout le monde la connaît, je pense, mais cette chanson, vraiment, je crois que personne ne peut l'écouter sans avoir quelque chose à l'intérieur qui frétille pour te dire qu'il faut bouger. To the D-A-N-C-E. 1, 2, 3, 4, 5. C'est marrant, j'ai pas l'habitude de voir ma cuisine sous cet angle, assise sur l'évier, j'adore. Bon, si t'as du temps et l'envie, je t'invite à faire un petit tour sur mon Utip si tu veux me soutenir financièrement, c'est complètement gratuit. Il suffit de regarder une publicité de quelques secondes et ça reverse une cagnotte, ça reverse quelques centimes sur ma cagnotte et ça m'aide énormément. Donc merci si tu l'as déjà fait et merci si tu comptes le faire, j'en suis très reconnaissante. Et voilà, on se retrouve du coup bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.